Alors, je ne suis pas sur la page. Bon, on va parler de midi à 14 h. D'accord. Qu'est-ce que tu as fait? Ok. Donc, bonjour pour ceux qui se connectent. Vous savez, je ne mets plus des heures, je ne peux même pas dire que je ferai un direct demain ou après-demain, tout simplement parce que je me fais bloquer dans tous les sens. Autant je dis les vérités, autant on me bloque. Autant je sors les vérités, autant on me bloque. Allez-y savoir si ce que je dis n'est pas vrai. Pourquoi me bloquer? Si tout ce que je dis n'était pas vrai, pourquoi me bloquer? Pourquoi? Voilà. Donc, allez un peu regarder à l'intérieur pour voir ce que je dis. Alors. Déjà, l'audience de Monsieur Camteau vient d'être renvoyée à mardi. Attendez, on va faire le chant. Comme d'habitude, je vous dis, ça fait du bien. J'ai eu hier des gens qui m'ont appelé et qui m'ont dit merci de nous avoir fait connaître la chanson patriotique. Alors, moi, je ne la connaissais pas non plus. Je l'entendais à distance. Mais quand j'ai reçu les paroles, oh, arrêtez, vous me bloquez tout. J'en ai ras-le-bol. Ce sont mes téléphones, c'est moi qui paye l'abonnement et d'autres personnes les gèrent. C'est énervant. C'est énervant. Alors, je suis quand même contente de savoir que quelques personnes s'intéresse petit à petit. En passant, l'ambassade du Tchad vient d'être prise à Paris. Donc, les Tchadiens aussi se sont réveillés. Ça me fait plaisir. Et j'aimerais que ça continue. Ou que, voilà, le Ghana, on n'a pas les mêmes problèmes. Ah, lui, il nous supporte. Il nous supporte. Voilà, l'ambassade du Tchad vient d'être prise par les Tchadiens. À Paris. Si vous pouvez leur donner un coup de main pour ceux qui sont à Paris, vous pouvez aller leur donner un coup de main. C'est toujours la même chose. C'est en étant ensemble qu'on réussira. Autrement, on ne réussira pas. On commence par l'hymne de la Renaissance, s'il vous plaît. Essayons tous. Le chat des yeux et toute cette terre qui gronde, son espérance profonde, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun, les sources de Nanga, les courants de la Sanaga, le dérouillement de seigneurie par les flots du Vouri, ces flots de réjouissance, c'est la nouvelle naissance. C'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Sur les Manengumba, sur les crêtes Rebouba, mon passeur finance respect aussi dans les crèches. C'est le temps qui chante, c'est le soleil enfant. C'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Gloire à Mangabel,
Aide la nation, éclaire nos cœurs de lion. C'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Abba Touré de Bakassi, à qui aussi, lui parlerait sur une bande des gosses de Fumba. Et rentre Tano, la nuit précède le jour. C'est le sillon de la renaissance du Cameroun. Frères et sœurs ensemble, pays des indomptables, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Frères et sœurs ensemble, prenons le vivre ensemble, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Je fais un fait que j'aime de tout mon être, je m'engage sur les sillons de ta renaissance. Afrique miniature, pour ta progéniture, je m'engage sur les sillons de ta renaissance, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Je m'engage sur les sillons de ta renaissance. Bon, je rate encore quelques peu, quelques couplets, mais ça va pas me tuer. Ça viendra. Ça viendra. Si elle est sardinaire, allez déjà vous reposer ou alors vous allez souffrir de me regarder, comme dit souvent Tchapchek. Vous allez souffrir de me regarder. Ce sera vraiment malheureux pour vous. Un instant, j'invite certaines personnes. Au de la dame à voir les bambous seront les yeux, les chars des yeux. Toutes ces terres qui grondent, son excellence profonde, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Les torrents de la Sanagane, des bambins sont vénérés par les flots du fruit. Je vous tiens l'éveil avec ça, hein, parce que dans les classes. Qui chante, c'est l'enseigne enfante, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. C'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Abba Touré de Bakassi, à qui aussi, uni par le précieux ruban des noces de Fumba. Comme enfant d'amour, la nuit précède le jour, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Ensemble, pays de l'Inde, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Frères de sang ensemble, prenons le vivre ensemble, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Ancêtres, que j'aime de tout mon être, je m'engage sur les sillons de ta renaissance. Afrique en miniature, pour ta progéniture, je m'engage sur les sillons de ta renaissance, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Je m'engage sur les sillons de ta renaissance. Voilà. Alors, je disais pour ceux qui sont à Paris, et dont nos frères tchadiens qui viennent de prendre l'ambassade du Tchad.
Parce que ce con de leur président de merde là mérite vraiment ça. Et qu'ils n'oublient pas d'enlever toutes les pièces comme nous avons enlevé. Voilà. Non, je voulais vous mettre autre chose, je vous mettrai ça à la fin. Qu'ils n'oublient pas de prendre tout comme on avait pris à l'ambassade du Cameroun. Tout ce qui est interne dans les ordinateurs. N'oubliez pas, mes frères. N'oubliez pas, s'il y a un qui est au courant là, il leur passe le message. Parce que c'est ça, les preuves qui sont dedans. C'est ça qu'on envoie dans d'autres pays pour, à l'ONU, pour qu'on nous, au moins, parce que c'est, je peux vous dire, en Europe, il y a 52 pays, hein, je pense bien. 52 pays. Et sur les 52 pays, tous ne sont pas pour la Francafrique que nous vivons. Si c'est la Francafrique, si c'est la Francafrique. Ce que nous vivons, c'est ça, pour limiter l'esclavage. Parce que je vous ai déjà dit, s'il y a les Européens qui sont connectés en ce moment, signalez-vous. Je vais vous dire quelque chose. S'il y a les Européens qui sont connectés en ce moment, là, il y a deux endroits qui sont connectés. On m'a bloqué, Aimons Eliane. Donc, partagez, s'il vous plaît, partagez. Et parce que moi, je ne peux pas partager là. Ils m'ont bloqué. Attendez, je vais voir si je peux partager ici. Alors, si je peux partager quelque chose. Ils m'ont bloqué, Aimons Eliane. Comme vous le savez, je suis la bête noire. Je suis la bête noire des Français. Donc, ils me bloquent partout. Il reste qui me bloque le souffle. C'est ça qui reste maintenant, qui bloque aussi mon souffle. Il bloque tout. Tout ce que je peux faire est bloqué. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est la galère. Donc, je partage un peu. Faites aussi la même chose, s'il vous plaît. Parce qu'on a des choses importantes. Et puis, je préfère vous garder éveillé. Parce qu'il y a beaucoup d'entre vous qui dorment. Dès que il n'y a pas de mouvement, vous dormez. C'est justement ça qu'il ne faut pas faire. Parce que si les balles te trouvent, quand tu dors ou bien les maquisards, comme ça, a trouvé les gens au Tchad, en plein jour, on a tué 130 personnes, 130, hier au Tchad. Donc, si vous ne restez pas éveillé, ça risque de tomber aussi. Sur n'importe quel pays, n'importe quelle heure, n'importe quel moment. Je redis un peu les choses que vous n'avez pas peut-être bien compris. Nous avons dévoilé ce qu'on nous fait depuis 58 ans, sans qu'on le sache. Et je vous ai bien signalé que ça va être violent. Ça va être violent. Obligatoirement, ça va être violent. Vous comprenez? Ils ne peuvent pas accepter, laisser ça tomber comme ça. Il s'agit de 450 milliards d'euros qu'on donnait à l'année. Écoutez, si tu voles même d'abord 1 000 euros en français, tu vas lui porter dans son dos, hein, je peux te dire. Alors, quand on parle des milliards, c'est encore pire. C'est pire. Donc, pour vous dire que ce n'est pas rien, ce qui se passe. Et donc, comme ce n'est pas rien, ne restez pas endormis. Ne dormez pas. On dort un œil ouvert. L'œil ouvert, voilà encore orange. Nous sommes déjà en train de toucher les choses qui leur font mal. Donc, quand ils se vengent aux personnes qui meurent. Donc, si vous êtes éveillé, vous saurez comment faire. Et même si, parce que même si nous avons déjà des alliés qui viennent pour nous aider, sachez quand même qu'il faut rester éveillé. Alors, je préfère vous garder éveillé, c'est pour cela que je ne laisse pas du tout les jours passer dès que je peux. Dès que je peux, je vous sors quand même quelques petites nouvelles. Ne restez pas comme les Mintumba ou bien les moutons. Ouvrez l'œil, ouvrez grandement l'œil.
Alors, je voulais passer aussi directement à YouTube parce que sur YouTube, maintenant, je peux faire mes vidéos sur YouTube directement aussi parce qu'on nous bloque Facebook et pour le moment, YouTube, lui, il nous ouvre. Qu'est-ce qu'ils m'ont fait là? Et je suis activée. Alors, je suis la bête sauvage à abattre. Bon, ça m'amuse pas parce que je perds mes gens et les gens, ici, tout ce qui les intéresse, c'est l'argent. Donc, ça m'énerve. Mais je suis obligée de faire un sourire. C'est obligé que je donne que je fasse un petit sourire. C'est voilà, sourire comme ils me disent, je souris. Passer au direct. Voilà, comme ça au moins les gens, comme ils me volent mes vidéos, je vous rassure. Hein. Puis pivoter pour passer au mode paysage, non, mode portrait. On me vole toutes mes vidéos, on me les bloque. Alors je passe en même temps sur YouTube. S'il y a d'autres qui sont obligés de passer sur YouTube, n'hésitez pas, je suis en direct en même temps sur YouTube. Que fasse Mécanomobook me reste comme l'autre d'appeler Mécanomobook. Facebook, il veut rester avec. On nous vole et on nous m'isole. On m'isole nos gens au pays. Et on m'isole aussi. Nous, on nous m'isole aussi ici, en France et en Europe partout. C'est malheureux. Je vous ai prévenu, mes chers frères et sœurs. Oh, soyons honnêtes avec nous-mêmes. Nous avons un très gros problème. J'ai partagé ce matin sur certaines personnes, chez certaines personnes qui ont mon WhatsApp. N'hésitez pas de prendre mon WhatsApp. Je vous l'ai déjà donné. Je ne peux pas partager certaines choses sur Facebook. Parce que ça bloque. Je vous dis tout simplement que ça bloque. D'une manière, tout ce que moi, ça fait longtemps que je suis sur les ordinateurs, au moins 20 ans. Quand vous étiez, il y a beaucoup qui n'avaient pas encore d'ordinateur, que maman manipulait déjà l'ordinateur. Mais je vous dis que ça bloque. Revenons à nos moutons que vous avez prévenus. Le plan de l'Afrique, c'est longuement étudié. C'est le plan qui était prévu que ça allait se passer comme en Afrique du Sud. Puisque nos gens, nos dirigeants sont bêtes, ils ont accepté des choses. Je repars au départ parce qu'il y a au début. Parce qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas bien compris l'histoire. Ils ont accepté de servir l'Europe. Mais ils ont pensé que ce sera pour un temps. Donc, comme ils leur ont dit, le contrat allait jusqu'à 50 ans. 50 ans est passé. C'est parce qu'on a soi-disant pris l'indépendance en 1960. En 1960 est passé depuis longtemps. Dans 1960, on n'y est plus aujourd'hui. Nous sommes déjà en 2019 et ça devait s'arrêter en 2000. 2010, je vais dire. Si c'était vraiment pour 50 ans, ça devait s'arrêter en 2010. Sauf qu'aujourd'hui, nous sommes en 2019 et la machine est toujours lancée. Et alors, il y a quelques-uns de nos présidents qui ne voulait plus continuer sur cette allure en priorité Obiang Nguema, Paul Biya, qui a aussi interpellé son fils qui s'appelait Ali Bongo. Il y avait encore Idriss Déby là, Idriss Déby, il était aussi là-dedans. Il y avait aussi qui là, ils étaient au nombre de cinq. Qui refusait
de continuer malgré les 50 ans passés. Et nos mafieux ont décidé de leur faire la fête. Donc, quand je suis en train de vous dire que nous avons affaire, à part Idriss Déby qui est encore normal, et Obiangueman, normalement, il ne devait pas faire partie des gens qu'on devait séquestrer parce que lui, il est espagnol. La Guinée équatoriale est espagnole. Il parle espagnol là-bas, il ne parle pas français. Mais on a quand même voulu le tuer, malgré tout. Et c'est le Cameroun qui a empêché la mort du président de la Guinée équatoriale. Je n'ai pas trop de dates, mais ça ne fait pas un an que ça s'est passé. Et la rage, donc, a fait en sorte que notre président Biya soit éliminé. Ali Bongo, y compris, il y a 7 mois, éliminé. On vous impose donc en vous disant que bon, vous voyez comment on a tué les autres. Si vous n'acceptez pas les sosies, on finit aussi avec vous. C'est ça donc aujourd'hui que nous vivons. Les gens que vous voyez là, qu'on vous montre là, c'est la même chose que vous avez vu en Algérie. Ce ne sont pas des Camerounais vivants, des Africains vivants. Ce sont des gens qui vivent, mais qu'on cherche les... Je vous dis, si je meurs demain, tout le monde a ma photo, non? Je travaille en onglerie. Je sais travailler la résine. La résine, c'est la matière plus dure. Mais la matière qu'on utilise pour faire les visages, comme ça, elle est comme la pâte à modeler. Mais la résine, je peux, si je mets la résine sur mon visage, disons, sur mon visage, ça va prendre jusqu'au dernier des rides qu'il y a sur mon visage. Et quand on enlève, donc, parce que tu fais ça, on fait comme un masque. Comme un masque, ça prend toutes les petites fissures de mon visage. Et maintenant, avec ça, comme quand je fabrique les ongles, je fabrique des faux ongles, vous comprenez? Je peux fabriquer l'ongle sur ton ongle. Ça veut dire ça, j'enlève. Mais je te fabrique des faux ongles. Tu marches avec, on pense que ce sont tes ongles. Ça, c'est scientifique. Pourtant, ce sont des ongles que j'ai fabriqués à base de la résine. Alors, le visage dont je vous parle, c'est la même chose. Regardez ce qui se passe. Ouvrez grand les yeux. Je vous ai parlé hier de l'hypnose. C'est possible, l'hypnose. C'est tout à fait possible. Vous avez compris? Donc, écoutez bien les détails quand je vous donne les détails. Je suis dans ce dossier depuis très longtemps. Avant que vous veniez vous rendre compte là maintenant. Je suis dessus depuis 3 ans aujourd'hui et personne ne m'écoutait. J'ai suivi ces gens-là à chaque fois que je me réveille. Je vous ai dit depuis 3 ans, je ne dors avec personne. Donc j'ai tout mon temps libre pour faire tout ce que j'avais à faire. Personne ne me dérange, même pas mon petit-fils. Peut-être lui, je dors avec lui une fois tous les 3 mois comme ça. Et même lui, il dort comme un grand. Il ne me dérange pas. Donc quand je fais, je regarde tout ce qui se passe dans le monde entier. J'ai tout mon temps. Quand on a fini de mouler le visage de quelqu'un, de son vivant même, même si c'est mort, on peut te garder les yeux ouverts même si tu es mort. Pour qu'on puisse prendre le maximum de moule. Faire un moule. On moule dans ton visage avec ça. Ça là, c'est une perruque. Ça, c'est une perruque. Donc, je la compose. Je la fais et je la colle. Le chinois est très bon là-dessus. Moi, je suis une élève dans les cheveux. Parfois, que j'ai regardé d'abord comment les Chinois faisaient, que moi j'ai amélioré avec mon brevet professionnel. Alors, on fait
Même à base de ses propres cheveux, même pas ses cheveux. On colle la perruque, on fait les lasses wicks là. Hein, les filles ont ça sur la tête, ça s'appelle les lasses wicks. Lasses wicks là, c'est collé avec le cheveu. C'est ça qui est collé chez Ali Bongo. C'est ça qui est collé chez Paul Biya. Pourquoi vous croyez que quand on vous montre les présidents maintenant, on vous les montre à distance. On ne veut pas. Avant, ils venaient à la foule. Pourquoi ils ne viennent plus à la foule? Posez-vous la question. Pourquoi on ne lui laisse plus vous approcher et parler? Parce que s'il doit parler, il faut qu'on enregistre d'abord ce que la personne va parler, parce que ce n'est pas la personne qui parlera. Il fera du playback avec la voix de Paul Biya ou à la voix d'Ali Bongo. C'est pour cela que vous voyez qu'on fait Ali Bongo comme s'il ne peut pas parler. Hein? Depuis quand on te donne le bâton, on met, oh, ça me fait mal, ça me fait mal, ça me fait mal. Je vous jure, ça me rend dingue. Parce que je connais les individus quand ils étaient des gens. Même quand tu tombes handicapé, tu ne deviens pas con aussi con. Un AVC, il y a tout le monde qui a l'AVC, mais ça ne lui fait pas manger sa bouche ou manger sa langue, qu'elle ne peut pas, il peut plus parler. Tu connais la voix de la personne. Tu connais sa voix. Tout le monde connaît la voix de la personne qui parle. Ouvrez un peu les yeux, restez moins bête là. Si on dort encore, on va nous arracher tout le continent. Vous comprenez? On dort encore, tout le continent africain est parti. Parce que c'est un continent qui a les ressources qui font vivre l'Europe, l'Amérique et l'Asie. Vous comprenez? Nous sommes pauvres parce qu'on ne connaissait pas. Maintenant que vous connaissez que la manganèse, l'uranium, le pétrole, tout ce qu'ils utilisent pour les avions, les hélices d'avion se font fabriquer au nord, à l'est du Cameroun, c'est là-bas qu'on prend la matière à l'est. Le coton au nord, tout ce qu'ils ont besoin, c'est chez nous. C'est pour cela qu'il faut se lever et se réveiller. Et se mettre comme ça, les 14 pays, nous sommes les seuls qui sommes encore dans la misère. Le côté anglophone vit. Le Ghana, les autres, tous qui parlent anglais là, ils sont moins dans l'enclos comme nous. Ouvrons les yeux. Arrêtons de nous insulter parce que ça ne sert à rien. Au lieu de dire que les Ivoiriens sont comme ça, les Ghanéens sont, les Tchadiens sont comme ça. Levons-nous et mettons-nous ensemble. Vous voyez les garçons qui se sont levés là, les panafricains là, comment ils s'appellent? Ils sont toutes les races, toute l'Afrique mélangée. C'est comme ça, c'est l'exemple pour vous montrer. Comme Général Bara, comme moi, on essaye de se mélanger au maximum pour que ça fasse gros. Vous croyez que vous avez encore l'Afrique si vous continuez à dormir là? Ce qui se passe est grave. Parce que si on finit de tuer une partie, l'Afrique sera faible. Et nous qui sommes en Europe, on nous empêche de retourner là-bas tout simplement parce qu'on sait que nous connaissons, nous avons beaucoup dans la tête. Et ça ne marche pas. Et si on a beaucoup dans la tête, on ne peut pas être utile là-bas pour eux. Donc nous sommes des épines dans le pied. Alors on va nous garder ici, on va nous faire voyager dans les bateaux comme on est en train de le faire, on va tuer ce qu'on a besoin et prendre les cœurs, les rats, les poumons, tout ce qu'on veut. On sert de bétail. Et pendant ce temps-là, vous qui commencez déjà à vendre les terres aux Chinois, c'est fini ces terres-là, vous ne pouvez plus les avoir. Hein. Parce que vous aussi, vous ne connaissez même pas l'homme qu'on appelle chinois. Les terres que vous vendez là, c'est fini, vous ne pourrez plus les récupérer. Arrêtez d'être bête. J'aime pas vous insulter,
Mais il arrive des moments qu'il faut que vous compreniez qu'on n'est plus en train de rigoler. Vous voyez que je prends mon temps tous les jours pour essayer de vous secouer. Ce n'est pas parce que j'aime vous montrer mon visage. Ça ne m'intéresse pas. J'aimerais bien me coucher et parler d'autre chose et vivre ma vie, s'il vous plaît. Mais je sais bien qu'après ma mort, vous n'aurez plus de pays si je me tais. Il n'y aura plus de continent africain. Ils vont faire la même chose qui s'est passée avec l'Afrique du Sud. Et l'Afrique du Sud a encore eu la chance qu'ils ont eu un Nelson Mandela et que les autres pays sont venus en aide. Mais cette fois-ci, ils se partagent tous la part du gâteau. Et ils ont bien compris que c'est notre côté d'Afrique, l'Afrique centrale, qui a beaucoup plus de ressources, les plus importantes qu'on a besoin de vivre en Europe. Donc, ils n'hésiteront pas de nous exterminer. Ils n'hésiteront pas pour faire vivre leur famille et leur continent. Parce qu'ils ont misé gros, que nous, on n'a rien misé. Donc, ils ont misé gros. Ça fait que, comme ils ont misé gros, ils n'ont pas de foi aux yeux. Il n'y a pas de pitié. Il n'y a pas de pitié. Ils tuent en masse, ils fabriquent les armes, ils tuent en masse. Il tue en masse, il ne faut pas avoir honte de le dire. Moi, même avec mon homme, je lui dis, je n'arrive plus à vous comprendre. Mais quand tu vas au détail, tu comprends la vérité. Ils ont misé sur nos matières premières. Donc, quand on veut les échapper, ce n'est pas bon. Ils ont peur de passer par d'autres pays pour avoir ces matières premières. Donc, vaut mieux nous éliminer et avoir la mainmise sur nous. La seule solution, c'est de se mettre en groupe et protéger notre Afrique. Mais en groupe, je vous dis. Si on ne se regroupe pas tous ensemble, on entendra parler d'une Afrique lointaine. D'une Afrique qui a existé et que les Noirs ont habité là-bas. Et on va se faire des cobayes dans les villages des autres. Vous voyez? Je ne sais pas si peut-être qu'ils ne vont pas trouver un morceau de terre pour nous mettre là-bas après. Ne prenez pas ça à la blague. Moi, je sais blaguer. Il y a des moments où je sais blaguer, mais cette fois-ci, je ne blague pas. Ce n'est pas la blague. Et quand je parle de ça, ce n'est pas une blague. Je ne vous dis pas d'être raciste envers les Européens, mais protégez ce qui vous appartient. Protéger ce qui nous appartient, c'est une histoire de force, de mort ou de force. On n'a pas le choix. Nous sommes obligés de protéger notre continent aussi. Mais pour le faire, puisqu'on ne fabrique pas les armes et que nous ne sommes pas nés pour fabriquer les armes, la seule chose, c'est de nous mettre en vrac comme ça. Ensemble, qu'il n'y ait même plus de frontières entre le Cameroun, le Gabon, la Guinée, que ça redevienne comme c'était avant. Avant, on n'avait pas ces frontières-là. Si on est dans cet état à se protéger les uns sur les autres et chaque fois regarder quand l'autre souffre, savoir pourquoi l'autre souffre, je vous rassure qu'on n'aura plus les problèmes. Pour le moment, notre décision, c'est de quitter la Françafrique. C'est obligé. Et après, on va résoudre nos problèmes à l'intérieur. C'est ça qu'on appelle que les gens peuvent s'en sortir seuls. L'autosuffisance alimentaire, nous pouvons le faire. Nous n'avons rien à demander à personne. Nous n'avons rien à demander à personne. On n'a pas besoin de demander à qui que ce soit, je veux manger les cuisses de poulet. On n'a pas besoin des cuisses de poulet. Il suffit d'avoir ton morceau de terrain derrière ta maison. Tu prends, même que ce sont les poules sauvages, tu les mets là, ils vont pondre et tu en auras beaucoup. L'essentiel, c'est de savoir le faire. Demandez quand vous n'arrivez pas à le faire. Les poissons que les Chinois viennent élever là-bas chez vous maintenant. N'est-ce pas, vous-même, vous pouvez élever ça. Quand j'étais petite,
Mon père avait mis les kangas au lac de Bolova. Il était allé chercher les kangas à Konolinga. Le poisson long là, qu'on appelle kanga. Je ne sais pas s'il a un nom scientifique. Le long là, il partait les chercher à Konolinga. Il mettait dans le lac de Bolova. Et ça grandissait, ça poussait, ça faisait des bébés. Il y en avait plein. C'est des choses comme ça qu'il faut tricher. Même pas apprendre, mais tricher. Sur Facebook, sur YouTube, vous avez tout maintenant. Je dis bien, il y a tout. Pourquoi il y a cette lumière-là? J'ai toujours une lumière derrière moi. Bon, il ne faut pas trop se poser des questions. Parce que ça peut être un point. Mais elle est toujours là, même si j'ai changé de côté. Hein. Bon. Je peux pas mal. Bon, peut-être que c'est moi celle qui la voit. Je reste, je m'étais et comme ça. Pourquoi tu as il n'y a pas de charge. On a un gros problème. N'importe quel pays qui va nous aider, il a sa part du gâteau. Vous comprenez? N'importe quel pays qui va nous aider a sa part du gâteau. Ne restons pas là et regardez avec les yeux. Regardons ce qu'on peut faire pour que ça n'arrive plus jamais, pour qu'on grandisse de nous-mêmes, qu'on s'en sorte dorénavant de nous-mêmes. Tous les pays qui vont nous aider prendront leur part. Ça veut dire qu'on négocie avec ces pays. La même chose qu'on a tué les Anglo pour qu'ils viennent, qu'on leur vienne en aide, c'est la même chose. On ne peut pas venir t'aider chez toi pour rien. Mais M. Gbagbo qui est là en prison à la CPI, c'est son agent de son pays, de la Côte d'Ivoire, qu'on va prendre pour compenser la prison dont il fait aujourd'hui. J'espère que vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire. Quand l'homme blanc m'aide à élever mes enfants, c'est parce que les enfants vont prendre la nationalité française et vont travailler là et cotiser les caisses. C'est ce qui s'est passé avec moi. Et c'est la vérité. Et maintenant, mes enfants travaillent pour cotiser les caisses là. Il n'y a jamais rien pour rien. Jamais rien pour rien. Nous avons beaucoup de choses à réfléchir. Quand on ne peut pas parler sur les médias, faisons les groupes, rencontrons-nous dans des villes différentes et dialoguons ensemble. Et sans blague. Moi, là où je suis là, je vous dis, je ne veux pas les gens qui blaguent quand je suis dans le sérieux. Parce que nous sommes mal. On est mal placés pour rigoler en ce moment. La force qui vient de l'extérieur n'est jamais gratuite. Toutes les forces qui viennent de l'extérieur demandent d'être payées. Ce sont des contrats qu'on prend, même sans le vouloir, et qu'on payera cher. J'ai proposé depuis très longtemps que la Françafrique, c'était la chose la plus dangereuse, l'escroquerie qu'il n'y a jamais eu dans ce siècle. Et c'était la plus dangereuse des choses à faire. Et cette Françafrique-là, pour qu'on s'en sorte vraiment, il faut qu'on soit tous réunis en même temps. Arrêtez de dire que voilà les Ivoiriens qui marchent, voilà les Sénégalais qui marchent. Si c'est un noir qui est dans le pays francophone africain, lève-toi seulement, rejoins la troupe et avance. Parce que sans ça, ça finira jamais. L'ambassade du Tchad vient d'être prise par les Tchadiens tout à l'heure à Paris. Ça ne fait pas
15 ou 20 minutes, ou 30 minutes, je pense. Alors, ceux qui peuvent les aider, n'hésitez pas. C'est de ça que je parle. Sortons d'abord de la Francafrique et nous allons résoudre nos problèmes entre nous. On va résoudre nos problèmes entre nous. Après, on va faire les États d'Afrique centrale, comment on dit ça? Les États-Unis de l'Afrique centrale. De l'Afrique, tout simplement. Si on fait les États-Unis de l'Afrique, parce que nous sommes un très gros continent, nous saurons nous préserver des gens qui veulent nous piétiner. Tu ne peux pas te lever comme ça aujourd'hui pour dire que tu vas aller acheter une maison en Chine. Ah non! Tu ne te lèves pas comme ça pour dire que tu vas aller acheter une maison, même en Allemagne. Non plus. Il faut passer dans beaucoup de choses, de diplomatie, tout. Il faut vérifier si ça. En France, pareil. Mais un Européen, un Chinois, un n'importe qui débarque en Afrique, il veut la maison aujourd'hui, il l'a aujourd'hui. Il veut le terrain aujourd'hui, il a le terrain aujourd'hui. Arrêtons d'être bêtes. Apprenons à étudier les gens. Apprenons à donner de la valeur à notre continent, en particulier à nos pays. La personne qui lance les têtes des morts là, va mourir. Je n'ai pas envie de maudire quelqu'un aujourd'hui, mais j'espère que tu ne seras pas bien aujourd'hui. Même le mal de ventre va te mettre au lit au moins 3 jours. Donc, si c'est ça que tu es venu chercher, au revoir. Donnons la valeur à notre continent. Donnons la valeur à notre pays. Arrêtons de nous prendre toujours pour des lépreux mal soignés. Même la lèpre se soigne. Donnons la valeur à nos propres personnes. Nous ne pourrons pas continuer qu'on vienne te donner les armes pour tuer ton frère. Et toi aussi, tu te lèves, tu tues ton frère. Qui te protégera demain? Parce que quand tu auras tué ton frère, comme nous sommes avec la mafia, ils te tueront aussi. Ils te tueront et ils prendront ce qu'ils ont besoin. Écoutez-moi très bien. Il viendra te mentir. Il faut que tu tues ton frère là, il est méchant. Parce qu'il sait que ton frère qui demande de tuer est intelligent. Ils nous ont déjà fait ça une fois, deux fois. Voilà la deuxième fois. Ils ont déjà dit de tuer les Bamilékés. Ils l'ont fait. Ils ont fait un génocide caché. Parce qu'ils ont dit que le Bamiléké est trop intelligent. C'est le juif africain. Et les cons l'ont fait. Un gros génocide qui était caché. Allez-y fouiller dans mon Facebook, je crois qu'au plus profond, si on n'a pas encore bloqué aussi loin, parce que moi je n'ose même plus aller en arrière. Mais il y a beaucoup de vidéos dans la fille des champs. Sur la fille des champs, là où il y a mon groupe, j'ai pas mal de vidéos dedans. Ils les ont dit tuer les Bamilékés. Ils sont trop intelligents, ils ne nous rendront pas la tâche facile. Et nos frères ont accepté de laisser tuer nos Bamilékés. À l'époque, c'était une guerre sans merci, cachée. C'est maintenant qu'on la découvre. Un génocide caché. Ils sont revenus cette fois-ci. Ils ont dit fini avec les Anglos. Si on n'avait pas les médias, personne n'aurait su ce qui se passait. Il y a même beaucoup de gens du sud du Cameroun qui n'ont jamais su ce qui s'est vraiment passé. Il y a beaucoup, il faut lui montrer les photos pour qu'il te croie. Alors que le génocide est là depuis
2016, j'avais les premières photos. On coupait les enfants, je voyais les boyaux, les bires, il y en avait plein de bires. Oh, ils sont bien morts. S'il n'y avait pas des témoins, ce serait passé comme une lettre par la poste. Et vous croyez qu'après eux, ils ne vont pas demander autre chose? Parce qu'ils viennent à chaque fois. Quand ils veulent quelque chose et qu'il y a quelques-uns qui les en empêchent, donc il faut obligatoirement que tu te mouilles la chemise. Et pour se mouiller la chemise, on prend les ponts comme à Tanganji. On dit comme c'est chez toi. C'est toi qui connais mieux les anglophones. Donne-nous les itinéraires, comment on peut faire pour bien les avoir. Et Atangandi a livré ses frères qui ont été massacrés, mère, enfant, homme, grand-mère, grand-père, massacrés, j'ai vu, en direct, avant que ses enfants meurent. Ceux qui m'envoyaient les vidéos en direct, beaucoup sont morts. Ils sont même tous morts parce qu'ils m'appelaient souvent Rémi. Il n'y a plus personne qui m'appelle comme ça. Depuis 2016. Et vous croyez qu'ils ne viendront pas un autre tour? Fini avec les Bamileke, fini avec les Aoussa, fini aussi avec les Boulou. Et commence à parler comme les Boulou. Parlez, ceux qui parlaient se retrouvent en prison au moment où je vous parle. 1500 élites Béti sont dans la prison de Kondangi, sans parler de ceux qui sont morts, qu'on ne sache, comme les Atebeyen qu'on a tués, parce qu'ils parlaient beaucoup. Comment pouvez-vous finir votre propre continent? Parce que les gens viennent de l'extérieur pour venir vous dire qui vous devez tuer et qui vous devez garder. Il vous restera quoi? Après avoir tué l'autre, il vous restera qui? Ils sont arrivés au Mali, comme ce sont les Touaregs, les Peuls, qui ont beaucoup de puissance. Les puissances que je n'arrête pas de demander de sortir nos puissances naturelles aujourd'hui. Que c'est ça qui peut les chasser à distance. Parce que même quand tu as les armes, les Peuls, ils ont beaucoup de pouvoir ancestral. Ancestraux, je veux dire. Aujourd'hui, on vient larguer les fusils sur eux, on abat d'un seul coup 130 personnes. Et toi, tu te dis président d'un tel pays, tu dis que tu es qui en ce temps-là? Tu es un homme ou une bête? Et laissez-nous parler des histoires de Boko Haram. Boko Haram n'existe pas. Si vraiment Boko Haram existait, quand ils prenaient les Blancs en otage, pourquoi ils revenaient vivants? Arrêtez de nous parler de ça. Je ne vois pas une satellite qui est au-dessus là, qui ne voit pas qui est en bas. Je ne vois pas la satellite qu'on va positionner au-dessus du Cameroun, ou au-dessus du Tchad, ou au-dessus du Mali, qui ne va pas montrer exactement où ça se trouve Boko Haram. Arrêtez de nous prendre pour des cons. Une comme moi, n'hésitez même plus de me prendre pour une folle. Parce que moi, je ne suis pas une folle. Je vis avec vous pendant 25 ans aujourd'hui. On se connaît. Je connais la performance de vos machines, de vos satellites, de vos fusées. Ce n'est pas possible. Si on veut prendre, qui que ce soit en Afrique maintenant,
Attendez, je vous donne l'exemple. Mon homme, mon ami, on a 12 ans ensemble. Je vis en Côte d'Azur, vis chez lui. Nous sommes une famille. Nous ne sommes même plus histoire d'amour. Nous sommes une famille. On a décidé d'être une famille. Il me dit que je m'en vais aider mon oncle dans un petit village. Donc, si tu appelles à la maison, je ne suis pas là. Je dis, il n'y a pas de problème. Si tu vas bien, il n'y a pas de problème. Parce qu'ils oublient souvent les choses. Moi, je n'oublie rien. Je suis à Cannes, je vais au travail. 3 jours, pas de ses nouvelles. Je dis, ah, peut-être qu'il a prolongé, c'est sa famille. Son petit-oncle, soi-disant. Même si je sais qu'ils n'ont jamais été là. Depuis que ses parents sont morts, c'est toujours moi qui suis là. S'il est malade, s'il y a un problème, c'est moi. S'il ne sait pas faire quelque chose, c'est moi. S'il faut même entretenir la maison, c'est moi qui voyage pour venir le faire. Parce que lui aussi est là au moment où j'ai besoin de lui. Alors, une semaine, pas de ses nouvelles. J'appelle sur son portable, il ne répond pas. J'appelle sur le poste fixe, il ne répond pas. 10 jours. Je dis, hey, si je ne déclare pas et que peut-être quelque chose lui est arrivé dans la maison, on va dire que comme je suis noire, c'est moi qui l'ai tué. Ou prendre peut-être les voitures ou la maison. Moi, je suis quelqu'un qui n'aime pas les problèmes. J'appelle la police, la gendarmerie, parce qu'il habite un village. J'appelle la gendarmerie me répond très tôt le matin, je dis, je m'inquiète. Parce que la personne dont vous savez où je viens souvent là-bas ne répond pas au téléphone. Et ça ne faisait pas longtemps, on a trouvé son voisin mort dans la maison une semaine plus d'une semaine. Parce que personne ne lui a cherché. Donc, moi, ça me fait peur. Il m'a dit qu'il allait dans tel endroit et cet endroit, je n'ai pas de nouvelles. Donc, est-ce que vous pouvez aller voir chez lui si il est malade ou quelque chose, s'il ne peut pas se lever ou on ne sait jamais. Parce qu'en France, il faut souvent prendre ses précautions. Si tu veux vivre en France sans problème, il faut, parce que ces gens-là, même quand tu trouves un SDF en route, ne pense pas qu'elle n'a pas de la famille. Hein? Parce que sa famille, c'est l'État. Ne t'amuse pas avec. Si vous vous amusez avec vos gens en Afrique, eux, ils ne s'amusent pas avec leurs gens. Donc, quand tu vis avec ces gens, il faut être intelligent. Éviter de faire n'importe quoi. Les gendarmes s'en vont parce qu'ils écoutent, ils font attention. Ils s'en vont à la maison et je donne l'adresse. Ils me disent que, madame, la barrière est fermée de l'extérieur. Ça veut dire qu'il est sorti de la maison et il manque sûrement une voiture dans le parking. Je dis, ah bon, c'est laquelle? Ils me disent celle qui manquait. Je dis, d'accord. Il sort souvent beaucoup avec celle-là quand il va loin. Alors, j'appelle, je leur dis, ils me demandent le nom de son oncle dont il devait aller. Je donne le nom de son oncle. Ils appellent son oncle qui est aussi un ancien gendarme. Ils lui demandent où est monsieur tel. Et donc, le gendarme lui dit, le monsieur lui dit, non, mais il n'est pas chez moi. Je me suis engueulé avec le gendarme. Je dis, mais il l'a tué. Il l'a tué. Parce que de toute façon, l'héritage revient à ses enfants, parce que c'est le plus près. Et nous, on n'est pas mariés officiellement. Donc, l'héritage revient à ses enfants. Il m'a dit qu'il partait faire, il ne me ment jamais. Il m'a dit qu'il partait faire la peinture chez lui. Et moi, depuis 10 jours, je me dis qu'il est là-bas. Donc, je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment ça, il n'est pas là-bas. Écoutez-moi bien. La gendarmerie me dit, mais madame, c'est un grand. Hein? De toute façon, c'est un grand. Il peut aller là où il veut. Je dis, je refuse pas. J'ai juste fait mon travail. Je sais que je suis la seule qui entre là-bas, légalement. Maintenant, s'il y a d'autres qui entrent dans la nuit ou que les gens ne sachent, je ne sais pas. Mais moi, je ne veux pas que demain vous m'appeliez qu'il y a quelque chose. Mais parce que je constate depuis 10 jours, vous pouvez regarder, entre les téléphones, les comptes et tout, il y a mon nom qui figure dessus.
Donc, je ne veux pas que demain, qu'on vienne me prendre par le cou que j'ai tué quelqu'un. Je connais comment ça fonctionne ici. Alors, ils ont compris que j'étais très sérieuse. J'ai appelé une de mes filles qui était en Allemagne à cette période-là. Ça fait 2 ans et demi aujourd'hui, hein. Ça fait pas longtemps. Ça fait 2 ans et demi aujourd'hui. J'ai appelé une qui était à Esmod ici, en Allemagne. J'ai dit, est-ce que tu as eu les nouvelles de ton père? Elle me dit non. J'appelle l'autre qui était à Cannes. J'ai dit, est-ce que tu as les nouvelles de ton père? Elle me dit non plus. Je dis, alors là, moi je ne comprends plus. Ça fait 12 ans qu'on se connaît. J'ai jamais entendu ça. J'ai jamais vu ça. Les gendarmes me disent, on regarde, on vous rappelle. Ils commencent à localiser. Ils ont localisé son téléphone à Douala, à l'hôtel La Falaise. C'est une Camerounaise qui lui a payé l'avion pour aller épouser sa sœur en lui disant que Elia ne veut plus te marier et tu perds ton temps. Va épouser ma sœur, je te paye les billets d'avion. Ils ont réussi de Poitou-Charentes à localiser son téléphone à Douala, au Cameroun. Vous entendez? Donc, ne me dites pas que si quelqu'un veut nous localiser, si quelqu'un veut savoir où est Boko Haram, si quelqu'un veut savoir où est qui est caché dans quoi, que vous me dites que on ne peut pas voir qui est Boko Haram et qui sont les billes ou qui sont les vrais flics. Arrêtez de raconter n'importe quoi aux gens. Il suffit d'envoyer une satellite à hauteur qui va voir toute la forêt de là où on dit qu'il y a Boko Haram pour les localiser. En ce moment, les missiles qui sont envoyés à partir du Tchad et tuent les Amazoniens, ils sont localisés. Ils sont localisés, les missiles. Ils regardent. Et ça ne rate jamais. Ça ne rate jamais. Il faut regarder les reportages, même sur YouTube, regarder les reportages des lanceurs de missiles. Donc, ne venez pas embrouiller le cerveau des gens. Ne racontez pas n'importe quoi. Parce que vous savez très bien ce qu'on dit, que le Boko Haram n'existe pas. Tout ça, ce sont des manipulations des gens, des grandes puissances qui ont les moyens pour pouvoir organiser des guerres, intensifier la guerre, dramatiser la guerre, pour que ça coûte de plus en plus cher et que ça devienne maintenant le crédit du pays dont on est venu sauver. Arrêtez, punaise. Arrêtez. Vous avez affaire au qui? Vous croyez qu'il n'y avait que les physiciens dans la vie qui devaient être physiciens? Il y en a qui naissent sans être à l'école. Moi, quand quelqu'un vient me mentir, je te regarde, ça me fait sourire. Parce que j'ai déjà vu ton petit mensonge depuis très longtemps. Et il y a beaucoup comme moi qui sont nés comme ça. On va te dire, on ne trouve pas Ben Laden, on ne trouve pas ceci. Ah, si on veut le localiser tout de suite, on va là. Comme moi, si on veut me prendre tout de suite, il suffit de mettre, travailler sur ma puce. Il suffit de localiser ma puce. On m'a. Ce n'est même pas difficile. Nous avons des cartes bancaires. On voit là où je fais les courses. Quand je retire l'argent. Arrêtez. Donc, Boko Haram, lui, ne va pas aller chercher l'argent à la banque ou quoi que ce soit. Mais il suffit de mettre la satellite en hauteur. Envoyer une satellite. On les localise tout de suite. Et on finit avec. Quel Boko Haram qui dure depuis plus de 10 ans aujourd'hui? C'est quoi ce Boko Haram? Un moment arrive, il faut vraiment que les Africains, que vous arrêtez aussi de faire vraiment trop villageois. Un moment arrive, il faut que tout le monde s'assume. Il faut que tout le monde s'assume parce que nous savons bien que nous avons les têtes. Mais si nous continuons à cultiver la peur, si nous continuons à goudronner la peur qu'on a en nous,
on ne s'en sortira pas. On ne s'en sortira pas. Parce que chaque fois, tu as des choses à dire, tu as quelque chose qui peut servir les autres, qui peut aider pour que les gens ne s'embourbent pas. Mais tu as peur parce que tu as peur de mourir. Qui restera dans cette vie? Il n'y a personne qui restera. Quand je vous mets toujours l'hymne du renouveau, de la renaissance du Cameroun, vous vous entendez comment on cite les noms? Ces noms-là ne sont jamais morts. Hein? Parce qu'au moins, ils ont servi à quelque chose. Maintenant, ceux qui sont morts là, en centaines, ils avaient sûrement des choses dans leur ventre qui pouvaient aider. Mais ils n'ont pas osé parler. Mais voilà qu'ils meurent quand même, malgré tout. Malgré tout, on les a tués, même s'ils ne parlaient pas. Alors moi, aujourd'hui, si je parle, je m'en fous, parce que je me dis, au moins, j'aurais servi à quelque chose. La mort, c'est la mort. Vous savez, il y a des gens qui meurent, que Dieu renvoie encore sur cette terre. Le jour même tu meurs, ton esprit réimplante ça sur une personne qui est enceinte, peut-être dans ta famille ou bien dans une autre famille. Et tu reviens sur cette terre parce que tu n'as pas fait ton travail. Donc, tu reviens encore recommencer ton travail à zéro. Alors, j'ai compris ça depuis très longtemps que je n'étais pas comme les autres. Et j'ai accepté de faire ma mission pour que peut-être si je repars, qu'on ne me renvoie plus sur cette terre. Parce qu'il y a les enfants qui naissent déjà avec des marques. Moi, je suis né avec une marque ici. Ça veut dire que tu es déjà parti une fois. D'autres qui naissent avec deux fois, parce que chez nous, on perce l'oreille. Quand l'enfant meurt bébé, tu perces l'oreille ou tu donnes une marque, les enfants comme ça reviennent. Ils reviennent. Et beaucoup de parents le savent. Quand tu reprends la grossesse, tu revois le même enfant que tu as enterré entre tes bras. Le même. J'ai fait un mort-né. J'ai fait un mort-né en 80, juste après la mort de ma mère. Et, non, c'était pendant avec ma mère, je crois. Le même bébé, on me l'a présenté juste comme ça. Le même bébé, je l'ai accouché l'année qui suivait. Le même. Donc, à quoi ça sert? À quoi ça sert de cacher l'étoile qui est en toi? À quoi ça sert d'aider les autres si tu as une possibilité de le faire? Les Européens savent bien que nous ne pouvons pas, ils ne peuvent pas s'en passer de nous. Mais ce qui est mauvais, c'est qu'ils veulent passer par la force. Et c'est ça qu'il faut qu'on s'asseye comme des gens, qu'on puisse parler face à face pour dialoguer comme des personnes. Au lieu de continuer à servir comme des putes. Parce qu'une pute, elle a besoin de son argent. Donc, elle accepte tout ce qu'on lui propose. Vous, vous n'avez pas le même travail que les putes parce que le sol vous appartient. Au Cameroun, nous sommes tous des héritiers des terres. Même quand vous vous croyez que c'est une forêt, c'est une terre qui vaut de l'argent. Ça vaut de l'or. Là où les crânes de tes parents sont enterrés, c'est de l'or. Vous n'avez pas besoin de vendre ces terres à des inconnus. Voilà la puissance de votre vie qui est en train de diminuer. Qu'est-ce que vous croyez que les Européens font avec ces crânes? J'en ai vu qu'en Allemagne, on a plein de crânes là. Vous vous rendez compte que je vous ai parlé quelque chose, que quand j'avais 8 ans, 7 ans, 8 ans, les Allemands venaient toujours dans la journée me demander, pas moi seul, on était plein d'enfants souvent dans la cour, où était le crâne de Martin Paul Samba. Et ils donnaient les bonbons aux enfants. Regardez jusqu'où on était naïfs. Je ne savais pas quand je mettais mes pieds en Allemagne et voir qu'il y avait il y a une réserve de crânes venant de l'Afrique. Mais je n'avais jamais montré, moi. Je n'avais jamais montré. Je ne connaissais même pas exactement là où ça se trouvait.
mais je n'avais jamais montré. Qu'est-ce qu'ils font avec ces crânes? Pendant que nous, on néglige, là où ta personne est posée, est-ce que tu sais si c'était quelqu'un de valeureux? Parce que leurs esprits viennent toujours tourner là-dessus. Vous vendez tous ces terres maintenant aux Chinois. Vous dites, il y en a que j'ai vu des espèces de naïfs, une espèce de naïf de merde. J'ai loué. Tu as loué quoi? Tu loues, tu as signé un papier pour location. Avec qui? Avec quel gouvernement tu vas encore récupérer ces terres? Donnons un peu de la valeur à notre vie même, même à notre propre vie africaine. Donnons-nous un peu de valeur. Moi, je vous dis que je suis épouse de blanc, oui. Mais jamais je me suis laissé mis le genou par terre parce que je suis noire. Jamais. Je ne me recroqueville pas parce qu'on va me dire que tu n'es qu'une noire. Non. J'adore ma couleur. J'aime ma peau. La preuve, je ne me décape pas. Ma peau reste ma peau. Si on met des autres cheveux, c'est parce que nos cheveux, en plein froid ici, pour les coiffer, non seulement c'est cher, et deuxièmement, ça se casse. Tout tombe. C'est pour cela qu'on a adopté le système tissage ou perruque. Même avec les tresses, ça ne fonctionne pas. Ça casse le froid et le stress que nous ne connaissons pas en Afrique. Donnons-nous un peu de valeur, s'il vous plaît. Je vous en prie. C'est à nous de montrer que nous valons quelque chose. Si nous ne montrons pas que nous valons quelque chose, ils ne nous aideront pas, ça ne nous aide pas. Ça ne fait que nous fermer des portes. Combien de couples j'ai déjà vu qui viennent me voir chez moi et qui me disent que mon mari ne me donne pas. Mon mari, lui, il ne donne rien. Il ne donne rien, ça veut dire quoi? Il ne donne rien, ça veut dire tu fais comment pour faire tes courses? C'est toi qui balais la maison, c'est toi qui fais à manger. Tu fais quoi pour... Comment fais-tu pour faire tes courses? Est-ce que tu ne peux pas prendre la carte une fois pour aller acheter un caleçon ou t'offrir une robe? À quoi ça sert que tu es venu en mariage dans ces conditions-là? Combien j'en ai vu? Combien, après 20 ans de chef d'entreprise dans les salons de coiffure esthétique? Combien de femmes j'ai reçues? Blanc comme noir, jaune comme rouge. Qui ne connaissent même pas leurs propres valeurs. Alors les hommes, ça vous savez aussi que c'est à vous de valoriser vos continents et vos pays. Mais si vous devenez les gens qu'on doit mettre les fesses en l'air pour dire oui, comme si tu faisais la prière à chaque fois, pour que tu dises que tu gouvernes. Tu gouvernes donc quoi? Tu ne seras rien. C'est à toi de montrer la valeur de ton continent, de ta personnalité et de ton pays pour le respect de ton peuple. Si tu ne le montres pas, aucun respect ne viendra te retrouver chez toi. Aucun, jusqu'à ta mort. Vous voyez, en ce moment, les gens vont chercher loin. Ils vont chercher les images d'Aïdjo. Malgré que même avec lui, il était aussi au service des Européens, mais lui au moins, il arrangeait les hôpitaux, il faisait les travaux qu'il fallait, il faisait tout ce qu'il fallait faire. Au moins lui. Parce qu'on veut effacer l'image de Biya. Tout le monde veut effacer l'image de Biya. Très vite, alors qu'il a mis plus de temps qu'à Aïdjo.
parce que c'est l'image qui énerve. Comme on a effacé l'image de Bokassa. Comme on a effacé l'image de l'autre là. Comment il s'appelait? Mobutu. Beaucoup de gens n'en parlent pas. Beaucoup en parlent maintenant que parce que nous sommes dans la merde. On ne parle plus de ces gens. Beaucoup ne parlent plus de ces gens. Essayons d'aller au plus profond de nous pour réfléchir. Pourquoi nous sommes réduits à néant? Est-ce que ça ne provient pas de nous-mêmes? Est-ce que c'est parce que nous minimisons les gens que nous sommes à la peau noire? Est-ce que ce n'est pas notre propre faute d'acheter notre propre mort? C'est de ça que je suis venu vous parler aujourd'hui. Réfléchissons un peu. Dans mes anciennes vidéos, vous verrez que j'ai parlé de quoi. Les filles quittent en Afrique pour venir à mariage en Europe, avec les bébés sous les pieds. Où sont les papas de ces bébés? Et les qui aident? Ce sont les blancs. Même comme ils volent, et ils nous aident encore, alors ça leur donne du poids de continuer à voler. Si vous assumiez vos charges, si vous assumiez vos charges, si seulement vous avez accepté ce que vous êtes. Parce que si on accepte qui on est, on acceptera son pays. On acceptera tout. On acceptera sa couleur, sa population, sa charge. Quand un bon Camerounais se lève, il vole tout l'argent, il sort quelque part, il prend ses 450 vestes pour venir laver au pressing en France. Si tu achetais un pressing, ça s'achète. Et mettre à Douala ou à Yaoundé. Est-ce que ce ne serait pas important que tu puisses pas perdre de l'argent pour venir laver des vestes à Paris? À qui tu veux montrer que tu as beaucoup d'argent pour venir laver des vestes en Europe? Ça veut dire que tu n'es que con. Tu n'es qu'un con. Parce qu'ils se foutent de ta gueule. J'en ai vu, j'avais la boutique au Gré d'Albion. Des fois, je suis sur ma porte, je regarde. Les blancs, ils entrent dans ma boutique, ils achètent. Mais le noir, il voit bien que je vends de la marque. Et une marque qui n'est même pas représentée en France. Mais il va aller acheter chez une blanche. Parce que c'est chez la blanche qu'elle est plus sûre que c'est du vrai. On dirait que moi, je fabrique les sacs. Posons-nous la question. D'où vient ce mépris? Parce que quand les gens prouvent que tu ne t'assumes pas, que tu ne te rends pas compte, peut-être, que tu vaux quelque chose, alors il vient te dire effectivement, tu ne vaux rien. Attends que je t'apprenne. Alors que moi, j'apprends à mon homme. C'est même moi qui l'apprends comment on fait un bain, comment on coule un bain. C'est moi qui l'apprends comment il peut gérer son compte au cas où il y a un problème. Mais toi-même, tu ne sais pas ce que tu vaux. Et tu veux que les gens te donnent quelle place dans le monde? Nous voulons que les autres nous donnent quelle place? On va se séparer aujourd'hui en vous demandant de vous poser cette question. Quelle est la place que vous vous donnez vous-même dans ce monde si vous devez aller tuer votre frère parce que quelqu'un vous a donné le fusil de le tuer? Posez-vous la question.
Et répondez-moi si vous voulez bien, inbox. Merci et bonne journée.